Good morgen, allez, Yidan, les soir aujourd'hui, le Nishma Janin Rud, Ba Fortune, Mazal Fitna, le Achabet, Mazal Tov, Lucien, Batrena, Klot, Shlomo, Ben Shalom, et Moshe, Ben Yaakov, Tarab. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à Sechet Gitin, Perekret, Mishnatet. Amegresh, Atishtov, Elanaimo, Bepundeki. Bet Shamai, Omrim, En Atsechaim, Enu Getcheni, ou Bet Ilan Omrim, Tsechaim, Enu Getcheni, et Matai, Bizman, Shinit Garcha, Mina Nisuin. On a deux sujets dans notre Mishnah qui n'ont pas de rapport entre les deux. Premier sujet d'abord, on lit, on traduit. A Megeresh et Tishto, un homme divorce sa femme, et puis ensuite, Velana Ibo Bepundeki, un jour on les voit entrer ensemble dans une auberge. Pundeki, c'est une auberge. On les voit, ils s'isolent, deux témoins les voient entrer, prendre une nuit d'hôtel. Entrer ensemble, et voilà, et fermer la porte, bien sûr. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on va supposer ce qui s'est passé, justement. Et on a une marloquette maintenant entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'il faut, va falloir donner un guet à cette femme le lendemain, ou pas? Beth Shammai omrim, en atzricha emenu guet shani. Beth Shammai disent qu'elle n'a pas besoin d'avoir un autre guet le lendemain. Beth Hillel omrim, tzricha emenu guet shani. Et Beth Hillel nous dit qu'il va falloir lui redonner un guet le lendemain. On va expliquer pourquoi, bien sûr. Mais je continue encore un petit morceau. Et ma taille, attention, quand je précise cela, quand cela, cette halakha est-elle en vigueur, bisman chinit gansha minanisuin, que dans le cas où il a divorcé alors qu'elle était déjà mariée avec lui, à exclure ou modim benit gansha minayirusin, par contre, s'il a divorcé alors qu'elle était juste fiancée avec lui, dans ce cas-là, modim, ils reconnaissent betilal betchamay que shayna secha menu getchani, qu'elle n'a pas besoin de recevoir un deuxième get. Pourquoi? Parce que il n'est pas familier avec elle. Son cœur n'est pas familier avec elle. D'accord? On explique de quoi on parle exactement. Vous allez tout comprendre, il y a un grand chidouche dans notre Mishnah. On a donc, je reprends la scène, un homme, il a vécu avec une femme, je parle qu'il a vécu, donc il a été nasouille, pas minayroussine, on va rappeler après de quoi on parle exactement. Donc, il a vécu avec une femme pendant un bout de temps, après la divorce, et un jour, et on les voit, après quelques temps, prendre une chambre d'hôtel et dormir ensemble. On sait bien sûr pas clairement qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur, mais on suppose franchement savoir ce qui s'est passé à l'intérieur, d'accord? Donc c'est sûr qu'ils ont eu un rapport entre eux. Maintenant, on n'a pas des témoins qui les ont vus être ensemble. Et au pire, combien même ça peut être embêtant. Alors on va expliquer pour qu'est-ce qui se passe exactement. On a maintenant Benjamin qui va nous dire, écoute-moi. Vous savez qu'une femme, on peut marier une femme avec Kesef, Shtar ou Bia. C'est la première Mishnah de Kiddushin. Aisha Neknet, Bishlusha Drachim, Kesef, Bishtar ou Bia. Soit en lui donnant de l'argent, c'est ce qu'on fait quand on aurait pu donner une pièce, on donne une bague. Shtar, on peut aussi écrire un contrat, arrête mes coups de Chetli. Ou bien Bia, en s'isolant avec elle, en ayant un rapport avec elle. Je précise, en ayant un rapport avec elle, c'est un interdit de se marier de la sorte, il y a un interdit Midera Banane, Kramim ou interdit pour ne pas que ce soit un peu trop. Vous imaginez qu'ils ont fait un grand mariage et au lieu d'aller dans le repas, on les voit entrer ensemble. C'est un peu, d'accord. Il ne faut pas se marier bébia. D'accord, c'est un interdit. Je reviens maintenant. Donc une femme, elle peut être mariée bébia. Maintenant, question fondamentale entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'accord, on marie une femme avec Bia, mais les témoins qui doivent les voir se marier avec Bia, qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement? Selon Beth Hillel, ça suffit de les voir entrer dans une chambre et voilà, on n'a pas besoin d'aller fouiner qu'est-ce qui s'est passé concrètement. On suppose que ce qu'il a fallu faire, ils l'ont fait comme il fallait, et puis elle est mariée, ainsi. Selon Beth Shammai, non, on ne marie pas la femme puisqu'il faut marier Bébia, ça ne suffit pas de supposer. Il faut clairement, pendant qu'ils sont dans la chambre, il faut voir qu'ils sont. C'est pas la peine d'aller voir, d'accord, avec une loupe, mais dès qu'on sait qu'ils sont ensemble, c'est bon, ça suffit. Ok? Mais il faut voir ensemble. Tandis que d'après Beth Hillel, il faut qu'il soit juste, qu'ils s'isolent et ça suffit. Maintenant. On a maintenant, donc, le monsieur-là qui vient avec son ex et qui vont dormir ensemble. On a des témoins qui les voient entrer. On a une chazaka. En Adam ose beilato bedatznut. De manière générale, un homme qui peut avoir une chose permise, pourquoi la consommer de manière interdite? Si c'est tout de suite, ça ne demande rien, aucun effort. Pourquoi le faire de manière interdite s'il peut le faire de manière permise? De ce fait, on a d'après Beth Hillel, des témoins, ils sont là, ils la voient entrer, il sait qu'on les voit. Il va, il s'isole avec elle. Soit, maintenant, il va avoir un rapport de manière occasionnelle avec son ex,
ce qui est un interdit d'avoir un rapport avec une femme qui n'est pas sa femme, tandis que il a la possibilité de remarier sa femme, que ça va redevenir sa femme, et comme ça, il va au contraire, au lieu de faire une avéra, il va faire une mitzvah. Même si c'est pas bien de marier comme ça, mais c'est pas pris en considération. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que, concrètement, il ne transgresse pas un interdit de la Torah de la sorte en la remariant. Beth Hillel, ils te disent, bah, tu sais quoi, 1 plus 1 égale 2. Il y a un interdit d'avoir un rapport de manière occasionnelle. Il faut nécessairement le faire avec intention de se remarier. Il y a des témoins qui les voient entrer dedans. Logiquement, quel bon juif avec une kippa sur la tête va s'isoler avec sa femme si c'est pas avec intention de la remarier? C'est sûr qu'il s'est remarié. Selon Beth Hillel, eh ben, le lendemain, si jamais il ne veut plus rester avec elle, on va lui dire, bah, tu dois leur donner un guet parce que c'est sûr que tu avais intention de la marier. Selon Beth Shammai, non. Pourquoi? Comme on a dit, selon Beth Shammai, il faut nécessairement qu'ils les voient ensemble. Et tant qu'on ne les a pas vus ensemble, alors, les témoins, ils les ont juste vus s'isoler, ils ne sont pas partis fouiner dans la femme qu'ils ont fait. Donc, ils ne peuvent pas être témoins qu'il s'est remarié avec elle, donc elle n'est pas remariée. Ça, c'est d'après Beth Shammai. D'accord? Précision maintenant. Beth Hillel nous dit, attention, ce n'est que s'il a été déjà marié avec cette femme. Alors là, on rappelle la fameuse loi que, là, à l'époque, quand on fiançait une femme, on donnait des kiddushin, on donnait la bague au moment des fiançailles, pas une bague de fiançailles, une bague de Arat Mikudeshet Li. Et après, il restait comme ça pendant 6 mois, 1 an, le temps de s'organiser, de préparer le mariage, et après, il finissait, il faisait les nisouin, c'est la partie, commencer à vivre ensemble concrètement. Maintenant, dans la période entre les fiançailles et le mariage, ils n'étaient pas familiers entre eux. Ils n'ont jamais eu de rapport entre eux. Donc du coup, même si finalement ils se sont retrouvés dans une chambre, ça ne suffit pas pour supposer qu'ils ont eu un rapport entre eux. Il faut nécessairement qu'ils aient... Si ils ont été déjà mariés, ça suffit de savoir qu'ils s'isolent. S'ils ont juste été fiancés et qu'ils se sont isolés, qu'ils ne nous ont pas dit qu'ils vont s'isoler pour se marier. D'accord? Donc dans ce cas, ils ont fermé la porte. Peut-être qu'ils ont fait toutes sortes de câlins, mais en tout cas qu'ils n'ont pas eu forcément de rapport entre eux pour le moment. Donc, si c'était Mina Irusin, elle n'est pas remariée. Elle n'est pas mariée. D'accord? C'est la présence de Beth Hillel, qui nous dit en après sur la deuxième partie, qui nous a dit que les Matai Bizan Shingersha Mina Niswin, qu'ils étaient déjà mariés, mais pas qu'ils étaient fiancés. Parce que si elle était fiancée, elle n'est pas familière, et même s'ils s'isolent ensemble, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément eu un rapport. Précision super importante, c'est que même si je vous ai dit que si on peut avoir une femme de manière permise, on ne va pas la prendre de manière interdite, dans ce cas-là, question. Imaginez qu'on va voir Réhouven entrer avec une femme qui n'a jamais été la sienne, louer une chambre d'hôtel et partir dormir avec elle. Le lendemain, ça va devenir sa femme. Si vous faites attention, la Mishnah n'a parlé que d'une femme qu'on a divorcée et qu'on remarque et qu'on se retrouve avec elle. On n'a pas parlé d'une femme qui n'était pas la sienne. Si jamais, alors là, en théorie, on aurait dû faire aussi de nouveau 1 plus 1 égale 2. Mais là, non, ça va être 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire 1 plus 1, ça aurait dû faire comme ça. Écoute, je me retrouve avec eux, pas moi. Réhouven, il se retrouve avec une femme qui n'est pas la sienne, bon, une femme permise. Il se retrouve, il s'isole avec elle. Il ne nous a pas prévenu, on les a vus entrer ensemble dans la chambre, on suppose ce qui s'est passé. Alors là, maintenant, est-ce qu'il y a eu une intention de l'acquérir? Est-ce qu'on va dire, un homme ne va pas faire une belaznout, donc c'est sûr qu'il a eu l'intention de l'acquérir? Et la réponse, elle est non. Parce qu'une femme étrangère, pour marier une femme étrangère, c'est un investissement énorme, ça demande plein d'engagement. On va supposer qu'il a réellement, il a préféré faire la Avera. Pour une femme qui était déjà la sienne, alors là, uniquement, c'est que pour la femme qui était déjà la sienne, qu'on va supposer que peut-être qu'ils ont eu un rapport entre eux. Ok? On continue. Dernière partie de la Mishnah, qui n'a plus tellement du tout de rapport avec la première partie de la Mishnah, mais plutôt avec tout le Perek qu'on a pris jusqu'à maintenant, et qui va être redéveloppé amplement dans la prochaine Mishnah. Knasa Beget Kereach. Il a un mari, c'est marié avec une femme qui avait reçu un guet kereach, un guet qui est chauve. Waouh! Un guet qui est chauve, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas des poils sur la tête? On va expliquer. Eh bien, en tout cas, sachez que Tetse Mizo Mize Vechol Adrachim Ailouba, cette femme-là devra divorcer des deux maris, du premier et du deuxième. Le premier parce que c'était pas un bon guet, le deuxième parce que c'était malgré tout un bon guet Midoreta et pas Midorabanan. Et donc, Vechol Adrachim Ailouba, tout le pack des amendes et des pertes de droits qu'on avait évoquées dans la Mishnah, et il va falloir lui appliquer à cette femme. Vous avez à peu près rien compris, c'est très bien, on va tout expliquer, et ce sera repris de nouveau demain, hein, dans la prochaine Mishnah, où ce sera encore plus détaillé.
On réapprofondira plusieurs détails de cette halakha. Un guet kerer, d'abord, je vous rappelle, c'est une notion qu'on avait découverte déjà depuis Maseret Bava Batra, le guet dans un Kohen. On va commencer par toute l'historique, comment ça a démarré cette histoire. Un Kohen qui divorce sa femme ne peut plus reprendre sa femme. Vous savez ça. Il a divorcé, c'est fini. Il n'a pas le droit de prendre une femme divorcée, même si c'est sa propre divorcée. À part ça, les Kohen ont de nature le sang un peu plus chaud. D'accord? Ils sont plus coléreux. C'est expliqué, ils ont une échama de Oved Hashem, quelqu'un qui est Oved Hashem, il a du feu, il a du punch. Et donc du coup, il est plus, enflammable. Du coup, un Kohen, c'est assez compliqué, parce que si jamais il se fâche avec sa femme, et qu'il en a marre d'elle, et qu'il va lui crier un guet, il ne pourra plus la reprendre. Et c'était fréquent, hein, à une certaine époque, que les Kohen, ils donnaient un guet à leur femme, parce qu'ils sont fâchés avec elle, et après ils se retrouvent et disent finalement, c'est un peu dommage, je suis parti un petit peu trop vite. Chachamim ont instauré de faire un guet, Un guet mekouchar, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de prendre un papier et qu'on va écrire le guet et qu'on lui donne à la femme, on va faire comme ça. Ça c'est discuter comment est-ce qu'on fait, mais voilà, j'ai un bon papier, ça va être super, on va le faire avec ça. On va, au lieu d'écrire un guet et qu'on fait signer avec deux témoins et qu'on lui donne, on écrit une ligne, on plie, on coud, on fait signer des témoins, un témoin sur cette ligne, on écrit la suite du guet ensuite, et on replie. Et on va faire un accordéon, en fait, comme ça Rachid dit, c'est discuter, est-ce que c'est un accordéon, c'est un peu autre chose. Et on replie de nouveau, et des témoins vont de nouveau signer ici. Et ainsi de suite, on continue à plier jusqu'à la fin. On va se retrouver à un guet, comme ça, qui est un guet mekouchar, ça s'appelle. Il est entièrement cousu à chaque endroit, on ne peut pas le déplier. Il est indépliable, il est là. On a une première signature, une deuxième signature, une troisième signature. Et tous les témoins ont signé de la sorte. D'accord? Chaque fois, tous les témoins, il va être plié quatre fois le guet. À chaque fois qu'on va le plier, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 8 fois, chaque fois qu'on le plie, il faut une nouvelle signature de témoin. Vous savez bien que selon la Torah, ça suffisait d'avoir deux témoins. Mais Chachamim ont instauré que lorsque tu vas donner ce guet, tu fais signer tous les témoins, et on évoquera la raison un petit peu plus tard pour le moment. Mais tout, il faut pour chaque fois que tu as fait signer une ligne, demain on expliquera beaucoup mieux les antéchaînes, d'accord? Quand on en parlera dans la prochaine Mishnah, ce sera plus nécessaire. Pour notre Mishnah, pour le moment, ça vaut la peine de trop rentrer dans la complexité. Donc, à chaque fois que tu replies, tu fais signer un témoin, tu replies, tu fais signer un témoin, tu replies, tu fais signer un témoin. Et voilà que le monsieur a donné un guet mekouchar à sa femme. Il a donné un guet à sa femme a reçu le guet, elle ne s'est pas souciée de défaire toutes les coutures et de voir qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui n'est pas écrit. Elle l'a pris. Au bout de 5 ans, et elle est repartie se remarier, elle a même eu des enfants maintenant avec son nouveau mari. Et voilà qu'au bout de 5 ans, 6 ans, elle dit « Tiens, j'ai envie de voir mon guet comme il était beau ». Mon mari, il étudiait les sougiotes de Guitine, il voulait savoir à quoi ça sent un guet mekouchar. Et il s'avère qu'elle ouvre toutes les coutures, et puis là, elle remarque que c'est pas un guet mekouchar, c'est un guet kéréar. Un guet kéréar, c'est qui est effacé. Quand quelqu'un qui est chauve, qui a une manque de cheveux, il y a une ligne des témoins qui n'a pas été signée. Catastrophique. S'il manque une signature de témoin, même s'il y a deux témoins, il y a même 10 témoins, mais il y avait 11 coutures, il fallait 11 signatures. Et ils ont laissé une écriture, et c'est un guet kerer, un guet kerer. Elle va voir chez le rave et dit, rave, il y a un petit problème, je crois, non, c'était pas un guet mekouchar, c'est un guet kerer. Elle dit, ouais, il y a écrit dans la Mishnah que guet kerer, knasa be guet kerer, si toi tu t'es marié avec une femme, alors qu'elle avait reçu juste un guet kerer, un guet chauve, un guet qui lui manque une ligne, eh bien, sache que tetsé mizomizé, elle devra divorcer des deux maris. D'accord, parce que le premier guet, c'était pas un bon guet, c'est que Midera Banan. On expliquera mieux dans la prochaine Mishnah pourquoi. Le premier guet n'était que Midera Banan, le deuxième n'était que Midoraita, Midera Chachamim l'ont invalidé pour une certaine raison. Et elle s'est mariée avec quelqu'un qu'elle ne devait pas se remarier avec lui. Donc en fait, c'est la femme ni de l'un ni de l'autre. Les enfants, c'est les Mamzerim. Si le premier mari la reprend, ce sera aussi les Mamzerim. Catastrophe atomique, toute la halakhot de le pack des misères, comme on l'a défini. De la Mishnah sera applicable sur cette pauvre femme, et voilà, elle devra recevoir un guet des deux, elle fera que la Khalitsa n'ait plus le hiboum, les enfants sont mamzerim, elle ne recevra aucun droit de Ktouba, ni rien du tout, d'accord? Je jette maintenant la première idée nécessaire, pourquoi Chachamim ont été tellement mahmirim s'il y a un guet kerer qui est effacé? Parce que je vous ai dit qu'en réalité,
Selon la Torah, il est vrai que ça suffisait d'avoir deux témoins. Mais il y a quand même une exception à la règle. C'est si j'ai demandé à cinq témoins, écrivez tous les cinq, kulchem, écrivez un guet à ma femme. Alors là, une halakha, c'est que s'il n'y en a que trois ou quatre qui vont écrire un guet et qui vont signer, mais le cinquième ne signe pas, le guet est invalidé. On part du principe maintenant que lorsqu'on a un shtar qui est ker, qu'on a demandé à faire un shtar mekouchar, logiquement, le scribe du Bet Din se soucie de faire le nombre de coutures selon le nombre de témoins qui sont là. Et si jamais on se retrouve avec une ligne qui n'a pas été écrite, ça signifie qu'il y a eu un témoin qui a oublié de signer. Parce que selon le scribe, le sofer du Bet Din, il aurait fait moins de plis. Et si jamais il a laissé un pli supplémentaire, c'est qu'il y avait un autre témoin qui n'a pas signé, et peut-être que dans ce cas-là, le mari, en réalité, il avait ordonné de dire « Kulchem, tous, vous devez tous signer pour le guet », et qu'on a oublié d'en faire signer un, donc dans ce cas-là, il est invalidé. C'est un Rechash Midera Banane, et on en reparlera plus dans les détails dans la prochaine Mishnah Bezant Hashem. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, c'est là.